Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va se faire un petit tour impromptu et automatique. Donc, vous prenez un jeu de 52 cartes, vous demandez au spectateur de mélanger le jeu. Donc, déjà, bonne nouvelle, le jeu peut être mélangé. Ensuite, le spectateur dépose le paquet sur le tapis et vous allez lui demander de couper le quart ou le tiers du jeu. Il doit couper moins que la moitié. Donc, je vous conseille de vous tourner à ce moment-là, de tourner la tête. Donc, imaginons, il coupe moins que la moitié. Et vous lui demandez de compter ce nombre de cartes secrètement. Donc il va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok? Là, à ce moment-là, vous tournez, vous prenez le paquet en main et vous allez lui montrer les cartes une à une et vous allez lui demander qu'il mémorise la carte qui correspond au nombre de cartes coupées. Donc il va devoir mémoriser la 18e carte. Je vous conseille également de tourner votre tête à ce moment-là aussi. Hein. Donc vous lui montrez une à une les cartes, comme ceci. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc il va mémoriser le roi de pique. Et vous allez montrer 26 cartes. Donc vous pouvez montrer le nombre que vous voulez. Mais moi je préfère montrer 26. Comme je lui demande de couper le quart ou le tiers, je suis sûr qu'en montrant 26 cartes, il aura vu sa carte. D'accord? Donc 18, il mémorise le roi de pique. Je fais 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. À 26. Toujours la tête tournée, je lui dis c'est bon. Là, à ce moment-là, je dépose le paquet en main gauche face visible. Et je dépose ce paquet-là que je viens de montrer face visible aussi sur le paquet. Toujours la tête tournée, vous lui dites veuillez prendre vos cartes, les mettre face visible et déposer vos cartes. Il peut les mélanger s'il veut. Et vous lui demandez de mettre ses cartes face visible, comme les cartes qui sont sur le tapis, et de les mettre par-dessus. Et de retourner le jeu et d'égaliser. Là, à ce moment-là, vous pouvez vous retourner. Donc là, peu importe le nombre de cartes coupées, le fait que je lui ai montré 26 cartes, sa carte va être automatiquement en 26e à partir du dessus du jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Roi de pique, vous voyez? Donc vous pouvez changer, hein. Si vous montrez 25 cartes, la carte sera toujours à une autre position. 24 cartes, 23, 22, 21, à vous de voir, mais au moins 26, je joue la sécurité. Voilà, je sais que ma carte sera en 26e position. Donc si vous voulez changer, vous pouvez, et vous verrez que la carte sera toujours à la même position. Donc là, bien sûr, on ne va pas lui sortir la carte comme ceci, ça serait vraiment trop simple, on va aller beaucoup plus loin. Donc là, vous êtes face à votre spectateur, et vous lui dites, voilà, vous allez distribuer les cartes une à une, et vous allez faire 4 tas, mais vous pouvez distribuer le nombre de cartes que vous voulez par tas, d'accord? Et dans ce que vous faites, vous allez compter 26 cartes. Donc là, il a 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Là, vous savez que vous avez la carte du spectateur est ici. Il faut compter 1 à ce moment-là. Vous remplacez le 26 par 1, d'accord? Il continue de distribuer et à chaque fois qu'il va distribuer une carte ici, vous allez compter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Vous avez 8 en tête. C'est votre chiffre clé. Vous savez que la carte du spectateur est dans ce tas-là. Vous lui demandez à ce moment-là de vous montrer deux paquets. Donc il choisit deux paquets, n'importe lesquels, celui-là, peu importe. Ce qu'il faut, c'est mettre le paquet où il y a la carte sélectionnée sur un des paquets. Donc imaginons, il vous dit ces deux-là. Vous faites ceci. Et la carte du spectateur, vous la mettez par-dessus. Ensuite, peu importe dans quel ordre on les met, c'est pas important. Là, à ce moment-là, on va aller encore plus loin. Vous savez que la carte du spectateur est dans ce paquet-là. Vous lui dites de retourner ces cartes-là et de faire un riffle shuffle ou une rosace. Vous pouvez faire comme ça, peu importe si le spectateur ne sait pas faire un riffle. Et là, ce que vous devez faire, c'est mémoriser le roi de carreau. D'accord? Donc vous avez 8 en tête et roi de carreau. Ok? Donc le spectateur mélange. Et vous lui demandez de couper le nombre de fois qu'il veut. Ensuite, vous faites votre ruban. Et comment vous allez faire pour retrouver la carte? Donc vous allez tout simplement aller à votre carte clé, le roi de carreau que vous avez vu juste auparavant. Et vous allez compter 8. Vous aviez 8 en tête. Donc vous allez compter 8. Juste après le roi de carreau. Donc vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez la carte du spectateur ici, le roi de pique.
Voilà, pour ce fabuleux tour automatique impromptu. Donc en bonus, je vous propose quelque chose, c'est que dès que vous avez fini le tour, vous récupérez les cartes, ok? Vous les mettez face cachée et vous allez enchaîner avec un tour très rapide, très court que vous pouvez faire tout de suite après. Il va falloir que vous mémorisiez quand vous rassemblez les cartes comme ça devant le spectateur, la carte du dessus. Donc c'est tout simple, vous récupérez les cartes, vous dites je vais vous faire un petit tour vite fait. Tac et tac. Donc là, vous venez de mémoriser la dame de carreau, la carte du dessus. Donc ça, en faisant ça, en rassemblant les cartes, c'est très facile de prendre le pic de la carte du dessus. Et là, vous lui dites, bah, on va enchaîner tout de suite. Regardez, vous allez prendre le nombre de cartes que vous voulez et vous allez mémoriser la carte du dessous ici. Donc là, je vous conseille de vous retourner. Vous lui dites, allez-y couper. Et donc, il coupe où il veut. D'accord? Le choix est libre. 4 de cœur. Il mémorise le 4 de cœur. Vous lui dites de retourner ce tas-là, face visible, et de le mélanger avec l'autre, avec les faces cachées. Donc, soit en riffle ou soit en rosace, peu importe. Donc, il mélange. Et vous lui demandez de couper. Ensuite, vous faites un ruban et vous allez chercher votre carte clé, la dame de carreau, qui est ici. Et vous savez que la carte qui est tout de suite à sa gauche, ce sera la carte qui a été coupée par le spectateur. Donc, je regarde ma carte clé, la dame de carreau, et tout de suite, celle d'après à gauche, je sais que c'est la carte sur laquelle le spectateur a coupé. Et vous sortez la carte comme ceci. Voilà, vous venez d'enchaîner deux effets. Donc je préfère le premier est beaucoup plus fort. Hein. Ça c'est un petit effet bonus. Si vous voulez enchaîner avec cet effet, vous pouvez très bien le faire ou vous pouvez arrêter à la fin du premier tour. Voilà, c'est tout simple. Le spectateur coupe, il fait un riffle et donc grâce à la carte du dessus, vous savez que la carte est juste à côté, malgré qu'il est mélangé et les cartes face cachée, face visible. Voilà pour ce tour automatique impromptu. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker et à vous abonner. Et on se retrouve très vite sur ma chaîne. À très bientôt.